No problem, c'est Kay. Je vais l'argent par famille, et proche de moi qui est en Haïti. Récemment, je changé à Sunwave parce qu'elle est plus sécurisée. Quand je vais recevoir l'argent directement dans le compte mon cash qui est élargi ou bien dans Unitransfer Cash Pickup. Et puis, plus bon bagaille, Sunwave pas charger frais de transfert. Je vais dépenser un peu l'argent, 15 à 20 dollars dans frais seulement. Donc, papa et frère, veut dire que je vais avoir plus par famille et proche de moi. On a tout changé à Sunwave pour nous voyer l'argent sans frais et en sécurité. Relais pour nous députés à Belle de Colline. Comme dit le mondial là, Qatar, il y a un rejet gouvernement qui là. Malheureusement, Pepe Haïtien aujourd'hui là, pendant la Coupe du Monde là, l'oublier misère, l'oublier tout souci. Parce que tout côté passé, dans tout ghetto, dans toute base, il y a une question de Brésil, une question d'Argentine, une question de caca, une question de. Qu'est-ce encore? Caca est du passé. Hein? Mbappé. Non, caca est dans. Lila. Mbappé. Vous avez un débat fait sur caca. Ouais, caca bien chida. Mais oui. Caca bien chida. Tant que chida, bongo. Cafou chida, bongo caca. Cafou coup de caca. Hein? Où est le microphone déjà? Ronaldo Cafou. Ok, mais caca de là, il dit caca. Ronaldo caca Cafou. Ah oui, Ronaldo caca Cafou. Ronaldo caca Cafou. Je suis dans le même côté. Ah ouais? Personne ne veut nous faire. Donc, semaine ça, après que. Où est-il, Roberto Carlos? Oh, m'lié Bob Larry. Non, ça n'est pas par caca. Madame, monsieur, ici, va te débattre. Ok. On a les. Bon, mondial là, où est-il? Focus nous sur ce qui a passé dans le pays. Pendant que madame, monsieur, il y a de gros décisions qui a pris sur Haïti. Est-ce que. Allô? La nomination de maître Jean-Joseph Lubin. Bonjour. Est-ce qu'elle fait partie de la stratégie? Faut que je dise que. Même si on a tout secteur à battre bravo pour maître Lubin, maître Lebrun, Jean-Joseph Lebrun, c'est même si on a tout secteur sans reconnaître que l'arrivée, en fait, la nomination de maître Jean-Joseph Lebrun est inconstitutionnelle. Ouais. Ah ouais. C'est clair. Donc, bien sûr, ça. Donc, il jouit, m'gadi, de notoriété, de intégrité comme juge. Vu que, après, il y a des secteurs, même dans Anama, il n'y a pas qu'à cracher sous. Même FJKL. Même FJKL, il n'y a pas qu'à cracher sous Jean-Joseph Lebrun comme nouveau président de la Cour de cassation. Mais tout le monde reconnaît tout que le côté inconstitutionnel donc, de cette nomination, madame, monsieur. Mais maintenant. Si sur le plan constitutionnel, il n'y a donc que ce déficit, pour que ça marche, c'est ça. Mais vous ne comprenez pas pour deux bagailles. Vous comprenez d'abord pour valider le conseil éventuellement provisoire. Conseil électoral provisoire. Que Ariel Henry va mettre sous pied. Pas un problème. Mais vous comprenez tout que c'est qu'il y a peut-être une stratégie de conseil avec le blanc. L'international. Du conseil de avec l'international pour que mettre le moins capable de venir, président. Pipré constitution. T'as l'abdou. Pipré constitution. Pipré constitution. Il y a pas de roulis encore. Maintenant, ça pour me comprendre, je veux dire. Si les négociations n'ont pas abouti, parce que madame, monsieur, le deuxième lundi, après le deuxième lundi du mois de janvier 2023, Ariel Henry parle de cafou décisif. D'ailleurs, on a écarté Youri la tortue. Oui, non, boule les l'ancien sénateur, alors le sénateur Joseph Lambert. Yo écarté toute possibilité pour sénateur yo. Yo boule. Sénateur qui en bas yo. Yo boule. En parlant de ça, pendant n'a dit ça. Et plusieurs acteurs politiques sous scène là, yo boule yo. Boule. Compromis pour notre sortie, monsieur. OK. Nous pas faut parler avec député. M'a essayer le lambda jeune. Député Gary Bodo. Yo non paquet monstre. Boule, fini. Alors ça pour nous comprendre madame. Comment va passer la louco? Madame monsieur. Ça pour nous comprendre. Et dans les mains, je sens les entrées. Dans les mains, c'est vrai. Ça pour nous comprendre, madame, monsieur. Ça pour nous comprendre. Il y a des gens qui ont mis ce matin débat et nous entendons nous souligner. Dans quatre dossiers sanctions, jusqu'à vous avoir gagné. Claire. Rien. Seulement son note, son tweet que Canada fait, ambassadeur canadien fait, que le ministre des Affaires étrangères canadien fait, il dit que Canada prend sanction contre X. Contre X. Mais jusqu'à présent,
pas aucune action en justice que Canada avec États-Unis introduit contre Mounsao au Canada également aux États-Unis et même ici en Haïti. Elle dit que jusqu'à présent, pour qu'on gagne. Correct. Et okay. Même l'international mené Goumen sous plan juridique, la CAIO. Correct. Depuis législation haïtienne, pas dit rien. Alors, depuis la législation haïtienne, pas dit rien. C'est des gens qui sont pour Haïti. Ok? C'est des blancs. Des blancs qui sont blancs. Des gens qui sont blancs qui sont pour Haïti. Ok. Maintenant, ça vous comprendre d'où? Mais morale politique. Ah, non, pas mal comme ça. Pas mal comme ça. Oh! Attendez. Morale politique. Pas mal comme ça. Café n'est pas vague. Pas mal comme ça. Qui bon? Oui, nous connaissons. Morale politique. Morale politique. Café n'est pas vague. Eh mais ok. Eh mais bon, donne-tu parole. Combien de fois vous avez. Oh, pendant ma démission, j'ai un vice-délégué, quoi, et Wana Met là. On a moui. J'ai un coup de poche pour me Bali qui démissionnait après ça que fait là. Oui, ils sont combien de temps? Oui. Il n'y a pas gagné dans l'environnement là. Oui, bon, il démissionnait. En tout cas, l'acte là. Son belge. Louable. Son belge. Parce que n'est-ce pas voulu faire ça, et l'âme l'est venu avant. Oui. Et l'âme l'est venu avant. Y'a. Ou m'a checké le numéro, n'a pas la velle. Pas grave, mais bon. Pas grave, mais bon. Pas grave, mais bon. En tout cas, et moi, et pas jeune, moi. Son belge. Son belge. Bah ouais, n'est-ce pas fait ça. Pour moi, jeune, nous, en question de moralité politique. Bon, t'es, ouais, bon, t'es, imaginez-vous. Et l'élite qui t'a quitté. On va te retirer. Yo dit oui là toi tu démissionné non et dans tête et compagnie non compagnie. Non, ça sont l'autre bagaille. Pas oublier sanction, li gien ouais avec ça même. Sanction premier c'est transaction financière que le pape ka fait à aucun partenaire qui gien ouais avec canadien. C'est ni avec américain. Donc li gien intérêt pour le retirer col notre tête puis compagnie on action justice contre le Canada oui, pour le bon jusqu'à présent ça arrête ton on projet oui ça c'est un projet lui retirer lui pour le capable pas entraver business lio parce que sanction gain ouais à question financière. En tout cas il est de l'intérêt de ce gouvernement. Regardez bien madame monsieur et mal dit vous qui ça. Il est de l'intérêt de ce gouvernement, dirigé par le docteur Ayan Henry, pour entamer un poursuite judiciaire contre ces personnalités que Canada avec les États-Unis prend sanction contre eux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que bien maintenant, à tout. Ayan Henry représente la communauté internationale, vous d'accord? Clair. Ou pas Kakounia prend contre-pied de ça. Communauté internationale libérale. Non. Il dit, est-ce qu'on comprend? Non. Et si ou gon velléité pour être au pouvoir ou là? Obligé. Pas qu'aucun c'est pour pas D'ailleurs, où est-ce qu'il y a étudié dossier ou là pour une meilleure stratégie pour y récupérer dossier? Madame, monsieur, pas qu'aucun pour aller en rire par entame au poursuit judiciaire contre Mounsao. Parce qu'il veut rester au pouvoir. L'État a aimé rester dans le pouvoir. Et la parole Mounsao est emmerdé. Et Mounsao est emmerdé. Bon, qui est interdit là pour entamer mon poursuit judiciaire contre vous? Pas que des gens qui parlent de bon par l'empile, par contre. Il y a peut-être cherché faux formule là. Peut-être au niveau de la loi électorale. Oh, là, tu as la carte article qui dit depuis où tu as fait sanction, par contre. Oui. Ou pas qu'un candidat. Il y a qu'à la gonti, par contre. Oui. Mais, n'est-ce pas fort? Ou on a parlé de docteur? Est-ce que l'on a dit docteur? L'on est docteur. Ah monsieur. Sans pas faire le père. Non, tu es loin Louko. Mon mourir pas faire le père. OK. Donc maintenant on nous attend. Habitué à ça. Est-ce que la nomination du juge de maître Jean-Joseph Lebrun il fait partie de plan pour tard pour tard qui était camener pour le président pour Haïti, on ne sait pas connaître. Mais si la négociation pas abouti, il a dit ça. Si pas gagné, qui joue entre eux? Avec l'autre entité politique. Deuxième lundi. Après deuxième lundi du mois de janvier. Pas étonné nous que Ayan Henry composé avec monsieur avec maître Lebois. D'ailleurs, il est attendu. Il est attendu déjà. Déjà. Non, il est attendu. C'est Adventiste pas Adventiste, oui. Oui. Et puis Digini. Ah, pas déconné. Digini pour Digini. Ah oui. Non mais mon ami. Et puis il y a même l'âge. Parce que monsieur Lebré. C'est la même église avec Mathieu. C'est la même église avec Ayan Henry, oui. Adventiste, on est en déjà, elle a eu confortable avec Maître Lebrun. Très confortable, mon cher. Bon, qui est-ce qui choisit? Mais je sais même pas. Qu'est-ce qui choisit? Ah, mon cher. D'abord, il a pas choisi, on est confortable. Ah, mon cher. C'est lui qui a pris l'autre.
Il y a un papier l'autre. Eh bien. Ça va dépendre de blanc, dit. En tout cas, bon, c'est blanc. Là, on nous garde pour nous, mais ça, il entre dans l'ordre des choses possibles. Non, c'est gros bagage. Maté débat pour vous, il okay. Entre dans l'ordre des choses possibles, madame, monsieur. Suivez-nous. Rête branché, maté débat. Très bien. Nadine de Dinda. Bien. Ok. Qui a venu KTPS? Qui a venu l'équipe du compromis historique? Et si, dans qui fasse négociation, oui? Député Abel de Colline, bonjour, bienvenue à l'émission Maté débat. Comment on est? Bonjour Louko, bonjour Esaü César, mon ami Esaü, bonjour mon frère, mon ami Josué, collègue Pierre Martin Tatout. Alors, welcome back Louko. Merci Bill. Merci Bill. Bon, oui, bon, moi pas caché péché moi. Bon commentaire on t'a fait avant rentrer dans question politique yo, qui fait me perdre du voix moi malgré match à propos jouer. Argentinouye. Bon, en tout cas, m'espérer c'est souhait Josué a cap passé. Je suis content pour me content pour me dans espace en jodiant. Donc malgré Coupe du monde là, nous à 4 millions à 4 millions. Et ça nous est, hein. 4 millions 300 000 monde, ouais. Très bien. OK, à travers le monde. OK. Maintenant, on a les débuts d'appel de Colline, on connaît que ou tu fais partie en fait de groupe compromis politique. Est-ce qu'on toujours fait partie de l'équipe? Maintenant, tu as une négociation qui est en cours et ça gon titan la pareil mon qui connaît ça qui a passé. Est-ce que négociation campé côté nous? Alors, Louko, pour moi je vois d'entre jeu et on parlait de négociation mais dans la réalité nous pourquoi vraiment dans négociation. Okay. Nous t'es dans des discussions, des rencontres, mm-hmm. notamment avec Monsieur le Premier ministre, Docteur Ariel Henry, mm-hmm. qui en plusieurs occasions, deux fois, t'es invité des acteurs majeurs, entre autres groupe de concertation politique pour compromis historique, mm-hmm. qui fait partie de compromis historique là. Et première rencontre là, c'était pratiquement on échange sous problème payant, question insécurité, question coup de cassation ça, côté premier ministre, c'est effleuré hein, l'idée il après le résoudre problème ça. Nous dit nous okay. effleuré mais pas de gagner véritablement en communication en termes de résolution sous question ça. Yeah, et deuxième rencontre là, Premier ministre Docteur Ariel Henry lui a exprimé le souhait, le vœu pour que gagnent accord politique, on entente politique le plus rapidement possible. Et à ce niveau, dans deuxième rencontre-là, l'IT fait état de documents qui sont en discussion, notamment documents qui traitaient de la mise en place éventuelle de Sanourélé au gros conseil de la transition. Bien voilà. Bien. Et à l'issue de deuxième rencontre-là, les acteurs politiques majeurs qui étaient fait partie de délégations qui étaient représentées en tout cas éléments qui constitutifs de compromis historique là nous demandé premier ministre là, s'il était capable de gagner documentation ça. Il est vrai que premier ministre a demandé avec staff cabinet pour que il était acheminé document ça. Effectivement documenté, acheminé, mais ça y était remettre avec concertation pour compromis historique, bref, compromis historique là, Louko, okay. C'est pas document actualisé, c'est pas document qui était à jour. Donc voilà, après deuxième rencontre ça, premier ministre là, t'es lancé en troisième invitation. Et à troisième invitation, ça, objet li, c'était pour nous être capables de recommandation, nous, sous document. Et à partir de troisième invitation, ça, il a été entendu d'un niveau actuel pour que nous t'ait écrit Premier ministre Ariel Henry pour nous t'ait dit est-ce que primature capable fait nous joindre vraiment documents actualisés, documents qui ajoutent. Et depuis, c'est silence radio,
depuis, n'ont pas gagné de nouvelles de la primature, n'ont pas gagné de nouvelles du Premier ministre, le docteur Ariel Henry. Mais il faut dire parallèlement, Louko, ou gagné... ça aurait les facilitateurs qui c'est une organisation qui regroupait en tout cas des personnalités de la société civile, de monde qui travaille avec la communauté internationale, une organisation qui est les VDH, qui lui-même de manière séparé, hein, en dehors de la primature, t'es rencontré des acteurs autour de ce même document qui visait mettre en place un haut conseil de transition, un organisme de contrôle. Et d'un niveau facilitateur, eux-mêmes, ils ont estimé que ils étaient fait œuvre qui vaille et il y a pour que des acteurs politiques de la société civile, du secteur privé, t'a signé document ça. Mais document que jusqu'à présent, nous-mêmes, au niveau concertation, compromis historique, en bref, nous t'es souhaité, en tout cas, en dernier ressort, gagner document pour que nous fassions recommandations qui doivent faire. Mais comme vous l'avez dit dans préambule sur le sujet ça, j'en moins dire, depuis tantôt trois semaines, ben c'est silence radio. Toute discussion au point mort. Nous pas gagné nouvelle Premier ministre Dr. Ariel Henry, pas gagné nouvelle de la primature s'agissant de processus discussion qui t'a dû déboucher sous négociation éventuellement yon consensus ou souvelé ou accord. Donc voilà, le Premier ministre Ariel Henry bah il a l'impression depuis tantôt trois semaines pour reprendre expression attribuée à président français Emmanuel Macron, docteur Ariel Henry montrait que il est le maître des horloges, donc il décidait presser l'élève les presser, mais il décidait camper tout l'élève les décider, et depuis tantôt trois semaines, comme je disais tantôt, donc c'est le silence radio, pas gagné absolument aucun contact. Ok, est-ce qu'entre temps et pas gagné d'effection qui fait dans le groupe de concertation et puis également dans la discussion que nous avons commencé, bien que maintenant c'est le silence plat, est-ce que c'est pour un haut conseil avec Ariel Henry qui a prêté comme Premier ministre ou bien sans Ariel Henry? Alors, Louko, permettre que là, moins pas épiloguer davantage, dans la mesure où, moins dire, nous gagnons pour que nous prenions connaissance de. Le document. Documents actualisés hein, avant pour que nous-mêmes nous t'ai fait en tout cas ultime recommandation nous sous document de consensus ça. Étant donné que jusqu'à date nous pas recevoir réponse de la primature ou encore du Premier ministre, donc lit difficile pour que moi dire quel est le postulat, en tout cas la position de concertation pour compromis historique là, puisque faut que communication yo reprenne, faut que contact yo reprenne pour que véritablement nous capables clarifier ça qui doit clarifier pour nous capables faire des recommandations nous estimer dans l'intérêt général. Yeah, ben, maintenant les jours avancent en fait et nous parlons d'une situation qui est tout à fait spéciale en fait à partir de deuxième lundi du mois de janvier 2023. Comment nous-mêmes, en fait, dans le groupe concertation, nous comptons aborder donc situation ça. Alors, Louko, moi quoi, on fait une lecture de situation. Alors, que ce soit ou même que ce soit Isaïe, que ce soit Pierre Martin Tatou, Josué Lexidor, nous comprennent et Jean Ouindioli depuis tantôt trois semaines. C'est silence radio, pas gagné pratiquement aucune relance de la part du gouvernement du Premier ministre Ariel Henry. Pourtant, il y a trois semaines, ce Premier ministre-là qui t'a dit il y a nécessité pour que nous avancions. D'ailleurs, dans le dernier échange, il t'a gagné avec différents acteurs qui, dans concertation pour compromis historique, là, il t'a terminé
phrasiant, il a péril en la demeure. Donc, péril en la demeure, nécessité pour que nous te joignes en consensus, pour que gagnions un accord qui joigne pour permettre véritablement, une fois pour toutes, enfin, payant, nous capables d'adresser vrais problèmes, yo, problèmes contre l'insécurité, contre le kidnapping, bref, toute qualité de problème qu'a tracassé Bill peuple haïtien. Et voilà que c'est le docteur Ariel Henry, chef du gouvernement actuel, qui t'a dit il y a péril en la demeure, qui depuis trois semaines, pas fait relance, qui depuis trois semaines, c'est tout le monde a pas observé. Donc c'est dit que par rapport à questionnement on en a, il se pourrait que Donio changer. Bon côté Premier ministre Ariel Henry, il se pourrait que Donio changer. Bon côté communauté internationale, là sinon des acteurs les plus importants de la communauté internationale qui a supporté Premier ministre ou encore qui partie prenante dans la crise. Là, me dit donne yo changer. Est-ce que Yovin fait on l'autre lecture qui montrait que péril en la demeure ça il est capable d'en après deuxième le 10 janvier. Est-ce que Yovin calculait que péril en la demeure ça il va falloir que yo retourne auprès de la Cour de cassation, puisque vous signalez l'analyse où la nomination, en tout cas, du juge Lebrun, l'actuel président de la Cour de cassation, personne ne s'y attendait. Personne ne s'y attendait, dans la mesure où, même Premier ministre, par le passé, qu'on a dit dans des discussions, il fallait que gagne un consensus pour que il était résoudre problème qui gagne au niveau Cour de cassation, au niveau CSPJ, pour arriver à la mise en place de un conseil électoral provisoire. Voilà que pour qu'on gagne accord, pas gagné consensus entre les forces vives du pays, nous constater qu'il y a eu la nomination de un président de la Cour de cassation et comme de fait, juge Lebrun lit en poste. Donc cela dit, gagné de donne qui changeait et c'est notre interrogation d'un niveau constatation pour compromis historique. Alors, cependant, nous toujours, nous-mêmes, renouveler volonté nous pour que payant sorti dans situation que l'il est là, nous renouveler volonté nous pour que nous continuer échanger avec tous les acteurs, y compris le pouvoir, où t'es parlé de KTPS, on dit, un niveau concertation pour compromis historique, des acteurs de compromis, fait plusieurs séance de travail avec les membres de KTPS, sa présidente et ensemble de Mugno, notre confrère journaliste Peggy Jean, l'ancien membre du conseil électoral provisoire, maître c'est Jacques Seyus. Donc, nous fait plusieurs échanges de travail ensemble avec eux. Voilà, c'est entre autres un groupe important dans la société à nous rencontrer, notamment nous discuter avec le groupe qui gagne la donne, maître Reynold Georges, Alliance. Voilà. Donc, c'est pour moi dire, nous autres, au niveau de compromis, concertation politique pour un compromis historique, nous croyons que, en dépit de périodes mondiales, d'ailleurs, que ce soit vous-même, Louko, que ce soit moi-même qui a parlé là, que ce soit Esaü, Josué et tout auditoire, tout le monde aime le football. Mais quand même, il est malheureux de constater que c'est Haïti, c'est le seul pays, c'est comme si pendant mois mondial là, et puis c'est comme si toute bagaille était, toute bagaille campée. Et le Sénégal dans Coupe du Monde, écoutez, c'est l'équipe sénégalaise en vrai jouer. Oui, Mounio yo focus. La France dans Coupe du Monde, écoutez, la vie ne s'arrête pas en France, la politique ne s'arrête pas en France. Bien, bien. Assemblée nationale continue à travailler, Sénat français continue à travailler. Bref, mon capable c'est tout l'autre pays qui est dans le mondial. Là, tout, moi, je crois, il y a lieu
pour que peuple haïtien, hein, c'est vrai, on est capable de dire son réalité sociologique, mais réalité sociologique qui résultait pour moi d'une forme d'acculturation, puisque nous pas dans la Coupe du Monde, c'est vrai, nous capable de football, mais qui ça qui expliquait même au plus haut sommet de l'État, ils jouaient sous un mondial, sous un football côté Haïti par la donne, ben ils dit bonne petite pause là, bonne petite pause bonne petite pause sur insécurité, bonne petite pause, alors elle me dit pose, ben nous prenons une pause sous recherche de solutions pour résoudre le problème insécurité, ben nous prenons une pause sous recherche de solutions pour combattre le kidnapping, ben nous prenons une pause sous recherche solutions par rapport à crise économique, à la richesse, à dévaluation de la goudlan, mais c'est quand même malheureux, alors que l'autre pays, lui-même cap participé dans la Coupe du Monde là, mais il a continué parallèlement régler les affaires de l'État, affaires de pays. Eh bien, dernière question, député Abel Degoline, si la situation reste ce qu'elle est, et même avec jeudi, après le 7 février 2023, qui sont pensés qu'il a passé? Alors, allô? Si la situation, l'irrité, j'en ai là, jusqu'au 7 février 2023, ça veut dire qu'il y a un silence plat du côté de la primature, pas aucune avancée qui fait dans la discussion. Yo. Et puis nous arrivons dans 7 février 2023. Qui sont pensés capables de passer? Bon, ben, il est difficile pour que nous présagions, mais avec données que nous étayons sur là, la nomination d'un président de cassation. Donc, il est entendu que gagner un président de cassation comme président provisoire et le maintien de premier ministre Ariel Henry, c'est le bagaille qui commençait à parler dans certaines officines. Donc, c'est peut-être un emploi qui existait. L'idée pour rééditer, en tout cas, un scénario à la Boniface la Tortue comme en 2004. Toujours est-il, nous autres, dans le niveau compromis historique, là, nous croyons réel politique, là, puisque pour nous, je vous dis, hein, ce qui est important, indispensable, faut gagner consensus pour que gagner un minimum de stabilité qui retourne, pour permettre au peuple ça, les capables de vaquer avec occupation. Moi, t'attendais nous que t'as parlé de zone Canaran, de zone Matissan. Écoutez, Dieu seul sait comment mon plateau central côté me sortir yo à vivre la peur au quotidien. À chaque fois chauffeur bus yo y a pas emprunté route là, à chaque fois on mon plateau central bon mon qui prend direction Port-au-Prince, puisque comme vous l'avez dit jeudi, hein, zone Canaran, Bamon Cabri, Kouadebouken, ben sont forts, pas plus tard que matin là, ben yo prend paquet de machines, de marchandises, de monde qui tape sorti d'un niveau plateau central. Donc voilà, ça en est assez. Ça pas capable de continuer. Faut que, en tout cas, gagner en solution. Donc nous-mêmes, d'un niveau concertation pour un compromis historique, nous favorables, nous disposés et disponibles. Toujours est-il, faut que Premier ministre et communauté internationale là, qui aille aux deux à gagner réalité pouvoir en Haïti, donc faut qu'il fait œuvre qui vaille, faut que quand même prend conscience que ça ne peut plus continuer, donc faut qu'il même favoriser, faciliter un consensus, un accord de sortie de crise. Merci un peu, le député Abel Degoline, bon travail, Gébéna. Je m'en remercie. Merci un peu, bon voilà.